Quel est l'intérêt de porter un couteau pliant dans la poche? Pourquoi posséder une lame dans notre société moderne où tous nos besoins semblent remplis? Et par-dessus tout, pourquoi certains font le choix d'acquérir un objet d'exception, comme le pliant que je vais te présenter aujourd'hui? Pourquoi ne pas prendre un simple Opinel et de s'en contenter? Car après tout, un couteau reste un couteau. Et il fera ce qu'on lui demande, qu'il coûte 7 € ou 700. Voici quelques-uns des murs d'incompréhension qui se dressent entre ceux qui ont l'usage de cet outil et les autres. Et si, ensemble, toi et moi, on allait plus loin? Et si on réunissait les partisans de la lame et ceux qui en ont peur? Salut à tous, c'est Tacline, la ligne tactique, et bienvenue dans cette vidéo intervalle où je te parle en moins de 10 minutes d'un sujet, d'un concept ou d'une idée. En l'occurrence, on parle ici des couteaux pliants en damas de chez Shildon. C'est parti! Le couteau pliant, vaste sujet, terrifiant signe de déviance pour les uns, outil indispensable du quotidien pour les autres. Quoi qu'il en soit, il ne laisse pas indifférent. Je pense en toute simplicité que le couteau est un outil. Et comme tout bon outil, il reste inanimé. Il n'est donc pas mauvais, c'est la façon dont on l'utilise qui le détermine. Je ne suis donc pas là pour le diaboliser. Cet objet nous permet de faire acte de transformation. Il ouvre la porte du changement et nous reconnecte avec une vie plus simple. Qu'il soit utilisé pour préparer un bon repas à notre moitié ou pour tailler une branche dans la forêt par un beau dimanche d'été. Il nous reconnecte simplement à notre environnement et à nos besoins primaires. Il provoque même parfois une sorte de rêverie éveillée. Qui ne s'est jamais perdu à contempler les reflets métalliques d'un tranchant de qualité? Surtout quand il s'agit comme ici d'un acier damas 67 couches. Donc le damas, c'est ces espèces de vagues de différentes teintes qu'on retrouve sur la lame. Ce phénomène, il est dû à l'usage d'aciers différents qui sont soudés par martelage afin d'obtenir un bloc uni. Ce bloc, on va l'étirer, puis le replier sur lui-même, le marteler et ainsi de suite. Un peu comme un millefeuille. Et on réalise ainsi des dizaines et des dizaines de couches successives pour former ce genre de motif. Et le damas, outre son aspect esthétique, offre une résistance plus importante à la lame. Pour en revenir à la notion de rêve. On pourrait simplifier les choses en disant que notre protagoniste du jour crée de l'émotion. Et c'est peut-être pour ça que tant de gens nourrissent une sorte de passion pour lui. Qu'il s'agisse d'un sentiment de nostalgie de notre justement premier Opinel, ou de la sensation de liberté de porter en pleine forêt notre lame préférée. Ou tout simplement par amour du beau. Car le couteau, quand il est travaillé, se transforme en objet d'art. Notre Shildon en est un parfait exemple. Son design, à la fois massif et délicat, sa mécanique d'une grande fluidité. Regarde-moi ça. Cette mécanique, le détail de ses formes et des motifs colle juste parfaitement. Et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable en réalisant nos tâches quotidiennes, comme couper un saucisson ou une tomate, avec un objet d'art? Ça, ça permet d'entrer dans une relation à l'œuvre qui est différente. Car nous ne sommes plus simplement assis à la contempler dans un Stendhal syndrome, nous devenons une partie d'elle en impulsant un mouvement. Nous cohabitons. Shildon. Shildon, c'est une marque qui s'affiche comme un bouclier dynamique et innovant, et qui nous offre ici un produit qui a tout pour plaire. Ça reste de l'industriel, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Ici, le tranchodon, reconnaissable à son aspect beaucoup plus agressif, et ici, le charcot qui est beaucoup plus doux. Le tranchodon est conçu en acier 9 CR18 MOV, avec une lame Reverse Tanto de 93 mm. 67 couches de damas viennent recouvrir la lame, qui se ferme par un système de liner lock. Il s'ouvre par flip-up, c'est une ouverture qui est vraiment naturelle et simple. Franchement, j'adore. Et l'avantage du flip-up, c'est qu'elle se transforme en une garde une fois ouverte. Toujours super intéressant pour la sécurité et éviter de se trancher. Le manche, lui, il va faire 121 mm et il est en G10 avec un clip ceinture intégré, bien solide,
le tout designé par Django, et franchement, j'aime beaucoup trop ce film. Pour le second couteau, il s'agit du Charcos. Oui, la marque s'inspire de noms de Pokémon pour ses produits, donc le Charcos, ici présent. On reste sur le même acier, la même fabrication, ce qui change, ça va être bah, la forme de lame, comme on peut le voir ici. Et on va avoir une mécanique qui est un tout petit peu plus aisée, puisque la lame est un peu plus grande et donc elle a un peu plus d'inertie à l'ouverture. On va la comparer vite fait avec quelques produits, notamment par exemple ici un Opinel numéro 6, un Mora Compagnon classique de chez Classique, un mini Griptilian de chez Benchmade, un marqueur, un mini bic. Qu'est-ce que j'apprécie tout particulièrement sur ces deux modèles? Déjà, l'ouverture flip-up. Ça reste simple, mais terriblement efficace. Pas besoin de force. Une fois que c'est ouvert, en fait, on a vraiment des gardes qui sont solides. Et ça, c'est cool. Ça veut dire aussi que du coup, on va pas glisser sur la lame. Ensuite, la prise en main. C'est à la fois doux et ça tient tellement bien. Les jimping, ils sont vraiment incroyables. On en a absolument partout. Les entrequoises, elles sont solides. Le clip, pareil, il bouge pas. La couleur, elle est juste au top. Le liner lock, il va bien loin. Et forcément, le Damas. Le Damas, ça permet d'avoir un couteau qui est à la fois industriel, c'est vrai, mais surtout qui est unique. Parce que j'en ai vendu plusieurs et chaque fois, les motifs ne sont pas exactement les mêmes. Donc, tu as un couteau industriel, mais unique. Et ça, c'est fou. Perso, j'ai un gros coup de cœur pour le Tranchodon. Tranchodon. Ce nom est incroyable. Même si le Charcos est vraiment très sympa aussi. Hop. L'ouverture est vraiment fluide. Voici venue l'heure de la conclusion. Pour faire simple, ce sont de bonnes lames. Merci d'être là, d'avoir regardé. Pense à t'abonner et retrouve les couteaux sur undersurvival.com, un site vraiment pas comme les autres.